La série documentaire de plein air du Haut-des-Arts vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de... Ce qui est vraiment marquant parfois l'été, c'est l'odeur, l'air salin. Pour moi, il n'y a rien de plus authentique que ça. Le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent couvre une superficie de 1245 km². Il protège trois grands écosystèmes, l'estuaire moyen, l'estuaire maritime et le fjord du Saguenay. Les limites du parc marin vont dans l'estuaire du Saint-Laurent des Escoumins jusqu'à la Malbaie, à peu près à Cap-à-l'Aigle. Et dans le fjord du Saguenay, les limites vont jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord, donc presque l'entièreté du fjord du Saguenay. C'est un parc qui est exclusivement situé sur l'eau. Donc, on protège toute la colonne d'eau. Donc, on part du fond marin jusqu'à la surface. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, c'est un des plus beaux endroits au Québec. C'est vraiment un milieu naturel, dynamique. Il y a eu plus de 1600 espèces animales et végétales de recensées. Ça va du krill jusqu'à la baleine bleue, qui est le plus gros animal sur la Terre, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long. On y retrouve plusieurs espèces de mammifères marins, les oiseaux également. On est dans un corridor migratoire exceptionnel. Pourquoi on a autant de biodiversité dans le parc marin? On a une remontée d'eau froide qui se trouve à peu près en face de Tadoussac, qui se trouve être la tête du chenal laurentien. Donc, on a la vallée qui arrive là, sous-marine. On peut s'imaginer un gros tunnel dans le fond. Puis, en avant d'Hauts-Fonds-Prince, la fameuse toupie que vous voyez quand vous arrêtez à Tadoussac, il y a une remontée d'eau froide. Ça passe à peu près de 300 mètres de profond jusqu'à 12 à 20 mètres selon les marées. Donc, il va vraiment avoir de l'eau super froide et riche qui arrive du golfe du Saint-Laurent, de l'océan, qui va être très riche en nutriments, donc en sel, en phytoplancton, en zooplancton. Et combiné avec l'eau douce qui coule sur le dessus du Saguenay, bien, vont créer un mélange qui va favoriser toute l'apparition de la chaîne alimentaire. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle ici à l'embouchure du Saguenay. Dans notre jargon au parc marin, on appelle ça le garde-manger des baleines. Donc, pour avoir accès au parc marin, il y a plusieurs façons de le visiter. On peut le visiter en mer et sur terre. Donc, à partir de la mer, il y a toutes sortes de compagnies qui opèrent, des entreprises d'excursion en mer, des écoles de voile, des écoles de kayak. Sinon, sur la Terre, on a développé au fil des années un réseau découverte terrestre qui s'appelle le réseau découverte du parc marin. C'est 16 partenaires, plus Parc Canada et la CEPAC, qui offrent vraiment une diversité d'accès. On a établi des collaborations avec les municipalités, des organismes à but non lucratif, des musées. Ça comprend aussi des sites terrestres de Parc Canada et de la CEPAC. Où est-ce que les gens peuvent découvrir différents aspects du parc marin? Que ce soit pour les oiseaux, pour l'archéologie, parce qu'il faut savoir que le parc marin ici, c'est un milieu où les Premières Nations se sont établies il y a plusieurs milliers d'années. Donc, sur la côte nord, d'ailleurs, on retrouve parmi les plus anciens sites archéologiques. Donc, on parle d'à peu près 8000 ans d'histoire de présence autochtone. Les activités les plus recherchées, c'est l'observation des baleines depuis la rive. Donc, il y a plusieurs points de vue où est-ce qu'on peut apercevoir les rorquals, les belugas, de très près. On a juste à côté ici le centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire. Un point de vue incroyable sur l'embouchure du fjord du Saguenay où est-ce qu'on peut apercevoir les belugas, les petits rorquals. C'est quelque chose d'assez unique.
À la baie Sainte-Marguerite, c'est aussi un lieu incroyable pour observer les belugas depuis la rive. Super beau belvédère qui se retrouve dans le parc national du Fjord du Saguenay. Il y a des guides interprètes qui sont là pour donner de l'information aux visiteurs, puis pour leur faire découvrir aussi qu'est-ce qui se passe dans cette baie-là, pourquoi les belugas viennent ici, puis pourquoi on protège ce lieu-là qui est si important. Les fonds marins du parc sont coloré, c'est tapissé de roses, d'étoiles de mer, d'oursins. On a une activité d'interprétation qui s'appelle le Saint-Laurent en direct, où est-ce qu'on fait une plongée en direct avec des plongeurs. Donc, c'est projeté sur un écran géant. Les gens peuvent communiquer en direct avec les plongeurs, poser des questions, voir ça en direct, la richesse des fonds marins. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a autant de richesses dans le parc, mais oui, c'est possible. C'est un milieu dynamique et vivant. Venir au parc marin, c'est vraiment la découverte d'un milieu unique. Regarde comment c'est beau! Le parc marin, c'est un endroit unique parce que c'est des paysages d'une grande beauté. Pour moi, m'asseoir à la pointe de l'îlet puis regarder l'embouchure, les baleines, le ciel qui a l'air si haut, plus haut qu'à Montréal. Donc, c'est vraiment un lieu où est-ce que je peux me ressourcer, regarder la nature, les oiseaux marins, juste regarder là, à quel point ça peut être paisible et beau. À peine arrivé sur la côte nord, on se laisse charmer par Tadoussac, l'un des plus vieux villages du Québec, bien connu pour détenir l'une des plus belles baies au monde. Ces incontournables dunes de sable, hautes de 30 mètres, offrent un panorama exceptionnel sur le paysage maritime. C'est en moto et en VR que nous découvrirons les 1000 km de liberté qu'offre la côte nord où longe le fleuve Saint-Laurent. Nous ne cesserons d'être ébahis par les panoramas et l'air pur de cette région qui gagne à être découverte. Sur le chemin, on sillonne de jolis villages tels que Franklin, qui, mine de rien, offre une vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent. Gardiens de notre culture maritime, les phares font partie de notre histoire. Le long de la route, nombreux sont les phares qui ouvrent leurs portes aux visites. C'est le cas de celui de Pointe-des-Monts, bâti en 1830. La région est reconnue pour être le paradis des plages et des grands espaces inhabités. C'est ce qu'offre la côte nord, de Tadoussac jusqu'à Natashquan. Ici, on observe la nature à son état pur.
Cette grande nature offre de multiples possibilités d'activités plein air et c'est pourquoi la Côte-Nord fait partie de nos coups de cœur. Il est inconcevable de visiter la Côte-Nord sans passer par l'archipel de Mingan. C'est pourquoi nous passons par Longue-Pointe de Mingan, un endroit qui se démarque par la grande quantité de monolithes qui parsèment les décors. On peut entre autres y déguster des oursins et visiter l'île aux perroquets. Le lendemain, nous redescendons par la suite jusqu'à Baie-Comeau afin d'emprunter la route 389 en direction du barrage Manic 5. Pour les amateurs de moto, c'est un incontournable. À la fin d'une route sinueuse à souhait, s'érigera devant vous ce majestueux barrage. Pour une dose supplémentaire d'aventure, il est aussi possible de partir sur son bassin en kayak. Encore beaucoup de découvertes, d'émotions fortes et de démesures nous attendent sur la route du retour. Cette capsule conseil vous est présentée par Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. C'est l'été, on va passer beaucoup de temps sur l'eau. Vous allez peut-être profiter du kayak, de la planche, profiter d'un plan d'eau. Il y a plein de petits accessoires qui sont super intéressants. Le sac au sec pour aller en kayak, garder nos choses bien confortables. Les modèles ultra légers sont vraiment géniaux. Ça vaut définitivement un essai. On a les protecteurs pour les téléphones, évidemment. Bien prendre quelque chose qui est certifié, qui permet de garder le téléphone un peu en dessous de l'eau sans problème, qu'on peut le sortir, l'utiliser à travers sans aucun problème. Une petite attache pour le garder, évidemment, proche de nous. On peut même aller dans des modèles qui sont rigides, qui vont permettre de vraiment protéger les produits qu'on a en protégeant en même temps, qui sont encore plus étanches. Il y a différents formats dans ça, toujours certifié IPX8 pour résister vraiment longtemps à l'eau. C'est des produits qui sont un peu incontournables sur l'eau dans le monde d'aujourd'hui. On rêve tout au temps chaud et à la journée chaude, mais il fait souvent un peu plus froid qu'on pense. Il faut être muni d'un chandail pour se protéger du soleil, mais aussi, en allant chercher quelque chose qui est 2 mm néoprène, on vient couper le vent, on vient se garder au chaud. Donc, ça permet d'étendre un peu nos journées puis de sortir un peu selon toutes les conditions. En fait, c'est quelque chose qui vous permet d'aller sur l'eau, sur la rivière, puis de se baigner malgré toutes les températures d'eau qu'on peut trouver au Québec.
Palmas Tuba, c'est souvent des produits qui sont géniaux pour découvrir un peu ce qu'il y a au fond de l'eau, se baigner. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre piscine, mais amenez-le avec vous en kayak, en paddleboard, en vacances. C'est des jouets qui sont vraiment super agréables à utiliser sur l'eau. Situé à une demi-heure de Tadoussac, Mer et Monde Écotour se trouve au cœur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le secteur est reconnu pour être fréquemment visité par plusieurs espèces de mammifères marins et pour offrir un contact privilégié avec ces véritables joyaux de la nature. Bienvenue à Mer et Monde. Aujourd'hui, on a une belle météo pour aller sur l'eau. Il vente un peu, mais c'est quand même très sécuritaire. On va aller faire une petite balade au moins 2 heures sur l'eau. On a quand même, nous autres, 1 heure de préparation avant de partir. On vous explique le coup de pagaie, cours de kayak. On explique le transport des kayaks, mise à l'eau. J'aimerais ça que tu m'exprimes un peu ta passion pour cet endroit-ci particulièrement. Tu viens de la Gaspésie. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré pour dire « Moi, c'est ici que je veux vivre puis faire mon bureau de cet endroit? » C'est sûr que c'est un des rares endroits au monde où on peut observer les baleines et autant d'espèces différentes si près de la côte. T'es dans leur élément, hein? Je pagaie puis je peux voir une baleine bleue, une queue de baleine à bosse, un banc de marsouin. C'est un endroit vraiment particulier où tu as le goût de passer tous tes étés ici, puis justement d'en faire ton bureau, là. Les gens viennent ici sont en vacances. On est en vacances, nous aussi, on se sent en vacances. Les gens qui viennent en kayak aussi, c'est des gens qui sont un peu plus conscients de
la pollution et tout ça, tu ne veux pas trop déranger les baleines. Fait que là, on a une belle conscience, on ne veut pas les déranger. Et le respect. Il y a le respect. On est dans leur élément. Fait que ça me touche, puis c'est dans mes valeurs. Le camping ici est quand même particulier. Il y a des belles plateformes sur les roches tout au long, en fait, de la côte. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça ici. Nous, la majorité de nos plateformes sont vraiment sur la roche. Il y a d'autres campings qui en ont quelques-uns, mais nous, c'est principalement sur le granit. C'est quand tu ouvres ta tente et tu vois les baleines à partir de ta tente, c'est quand même assez particulier. Là. Il y a quand même des endroits où les gens qui ont moins envie de faire de la tente peuvent profiter de cet endroit-ci dans des petits refuges. Bien oui, on est rendu avec 7 refuges puis 4 prêts à camper. Les refuges, panneaux solaires. Donc, on a le petit foyer au gaz. Tout l'équipement est là. Tu amènes que ta nourriture, ta glace, on a la glacière. Là. C'est le confort sur le bord du fleuve. On n'a pas le réseau Wi-Fi, hein? Fait que les gens décrochent vraiment. Chaque emplacement, c'est distancé. Les gens ont l'impression d'être, tu sais, d'avoir leur petit cocon intime dans leur emplacement. Et ils décrochent. Il y a beaucoup de choses à voir dans le secteur, qui est quand même un must pour venir vivre la Côte-Nord. En bateau, en moto, en voiture ou en VR, tous les moyens sont bons pour visiter la Côte-Nord. Les routes panoramiques, l'air pur de la côte et les multiples attraits touristiques qui parsèment son territoire vous feront tomber en amour avec cette région encore trop peu connue du Québec. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison.